Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau scoop 237. Aujourd'hui on se retrouve avec Muriel Blanche aka Aya Nakamura du Cameroun et Mimi aka Eva Queen. Tout commence après la sortie du film Shenanigans, où Muriel Blanche et Mimi n'arrêtent pas de marcher ensemble. Ça fait aujourd'hui 2 semaines que les stars ont posté sur leurs différents comptes, sur leurs différents réseaux, Facebook et Instagram, qu'ils sont en voyage pour la Turquie. Mais les fans, nous spectateurs, fans, nous ignorons la raison pour laquelle. Certaines personnes croyaient qu'ils partaient pour tourner un clip, d'autres pensaient qu'ils partaient pour tourner une comédie. Et plein d'autres choses que moi je n'imagine pas. Bon, ça ne fait pas 5 heures de temps, j'étais en train de surfer sur mon Facebook où je suis tombé sur une publication vraiment bizarre. Cette publication était bizarre de ouf. Bon, là dans cette publication, on affirmait que Muriel Blanche et Mimi sont allés en Turquie pour faire une chirurgie. Comme je disais, nos deux grandes stars ont voyagé pour faire une chirurgie. Apparemment, la chirurgie coûtait 5 millions et nos deux stars n'avaient pas 5 millions. Vu que Muriel Blanche avait 2,5 millions et Mimi avait 300 000. Non, mais j'ai pas compris la somme de Mimi. Elle quitte du Cameroun pour la Turquie avec 300 000. Ça nous a qu'elle n'a pas fait une chirurgie. C'est pour coudre la blessure ou c'est pour faire quoi? Parce que moi, j'ai pas compris. Bon, vu qu'il n'avait pas encore 5 millions, il devait s'abriter quelque part. Ou il soit allé s'abriter chez le grand frère de Marcel Cotier, lui aussi qui vit en Turquie et a une résidence là-bas. Donc, il allait s'abriter en attendant qu'ils vont contribuer à l'agence parce qu'ils atteignent 5 millions et puis faire leur chirurgie. Ils sont chez le grand frère de Marcel Cotier près de une semaine et demie. Bon, ça fait pas quelques jours, ils sont rentrés au Cameroun et là, c'est là où ça a commencé à exploser. Ça a pété très mal, donc ça sent comme... Ça sent très mal. Ils ont donc publié. Muriel Blanche a d'abord publié sa photo. Les fans appréciaient. Waouh! Mais c'était quand même hypocrite en l'insultant. Et aussi, Mimi a été nominée pour le Balafon. Mimi a été nominée pour le Balafon Music Award en tant que voix féminine. Lorsque Mimi publie sur Facebook, votez-moi, mec 2, les commentaires de ça. Ferme ta bouche là-bas. Qui va te voter? Tu n'as même pas honte. Au lieu de suivre les exemples de ta grande soeur Daphné, ta petite soeur Nabila, tu peux marcher avec Muriel Blanche. Tu peux t'allier à Muriel Blanche. Tu es quel genre de mère, mon Dieu Jésus-Christ? Les commentaires étaient de taille. Je vais vous laisser les commentaires. Vous allez vous-même essayer de lire et me dire ce que vous en pensez. Parce que moi-même, je n'ai pas compris ces commentaires. Ces commentaires étaient vraiment de ouf. J'étais en mode what the fuck. J'étais en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai donc voulu tout savoir sur l'affaire. C'est là maintenant que j'ai su en fait ce que je viens de vous raconter tout le long de la vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Si t'es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche notification. Moi c'est NBK Junior et on se retrouve à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao.